précédemment dans les aventures de Wonga. Alors, je m'appelle Doug McFlurry, Captain Doug McFlurry. Bonjour, Mr. Wonga. Wonga, bah, bonjour. Wonga! Wonga! Wonga, grand guerrier! Monsieur Wonga, bordel! Wonga! Vous avez dit que pas T-Rex, bordel! Mais Wonga! Moi, pas aller sur bateau si pas T-Rex! Wonga! 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 Civilisation qui a fait des choses ici, est-ce que ce serait pas tes ancêtres, Wonga? Wonga! Monsieur, arrêtez de courir ou nous devrons tirer! Wonga! Oh là là! Être ici, ville au fond! Wonga. Qu'est-ce qu'il fait? Lui nous suit, Wonga! Donc nous sommes venus, on nous a parlé d'un certain montant de pièces d'or à récupérer. Bien. Merci beaucoup, messieurs! Merci, on se voit bientôt! Ben Big, soyez prudents! Oui, au revoir et bonne route. Au revoir. Wonga, actez que village à nous devenir village pirate. Wonga. Je comprends ce que vous dites, mais sachez que voilà, comme le dit monsieur Wonga, il y a le prix du sang à payer. Le sang a été versé, le sang doit être versé. Wonga! Alors que pirate préparait défense de village à nous, Wonga, nous avoir reçu message de mer, proposé à nous grande escalade, dans grand événement du mont Tupiu, Wonga! Alors nous décider de retourner village, et montrer à tout le monde que pirate être grand guerrier, Wonga! Ça avoir été très drôle, et Wonga avoir bien rigolé à escalader comme grand singe, Wonga! Tout de suite, on met des droites, ok? Vas-y, plus, Tiki! Il y a pas de porte. La sortie elle est là. La sortie elle est chez moi. Enfoiré. Là là. Derrière. Wonga. On y va. Non, Wonga, pas être là. Non, il me fait tomber du haut, ça paraît. Wonga, tu t'as fait tomber, il m'a fait pas. Et j'étais déjà en haut avant que Wonga il me tire dessus. Oh, je rentre là-bas. C'est Karen. Pas tout. Wonga, tu es vous. Wonga! Wonga, Captain! Wonga! Wonga, Wonga! Oui, tu peux me dire! Comment ça va, mes amis pirates? Captain on the bridge! Ça va, mon Wonga? Oui, Wonga! Et toi, Captain? Vous êtes. Vous êtes tous en partance pour. Oui, ça va, et toi, Wonga? Ah, moi, ça va, et toi, Captain? Oh, tu as un magnifique tatouage dans le dos! Oui, ça va, Wonga, merci! Et toi, ça va? Bah, oui, Wonga, bah, bien allé, Wonga! Et toi, Captain, toi bien allé, Wonga? Oui, ça va, Wonga. Wonga content, Wonga. Wonga. Alors, vous êtes tous. Vous avez reçu le courrier? Oui, Wonga. Ouais. D'accord. Général Sticky, on a perdu le bug. Oh merde, déjà. Wonga, vous commencez à tomber. Ouais. C'est chiant, faut. Wonga, Captain, toi avoir tatouage dans le dos comme moi, nous pas voir. Oui. Si, 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 en fait, Captain Warzieux dans tatouage de dos à toi, Wonga. Ah, Wonga, tant mieux, Wonga. Je pense que ça va être un problème relatif à la sécurité interne de nos pupilles, Wonga. Enfin, c'est quelque chose de très complexe à t'expliquer, à vrai dire. Ah, ok, Wonga. Toi, pensez-moi bête, mais moi, comprendre, Wonga. Non, les gars, non. Je ne le vois pas. Alors, si toi comprendre, Wonga, ça va être parfait. J'espère que vous appréciez le petit bateau, messieurs. Beau bateau, Wonga. Wonga, Guinou. Y'a pas de feu, les gars. Allumez le feu. C'est un bateau furtif et discret. Wonga. Avec un parachute à l'arrière. Oh. Avec un monsieur qui fait du wakeboard. Bien, messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui nous attend, mais j'espère que vous êtes prêts pour ça, du coup. Ouais, ouais, Wonga. Moi, être prêt, Wonga. Moi, grimper, Wonga. J'espère vous bien. Wonga. Wonga. Hey, Wonga. Wonga. Wonga, ton nom nous donne du pouvoir. Ouais, Wonga. Wonga, c'est le nom qui tue. Il nous donne du pouvoir et de la force. Il nous permet de défaire les ennemis des pirates. Wonga! Wonga! Dommage que l'autre ne soit pas là pour nous jouer une petite chanson. J'aurais bien écouté un peu de musique. Ouais,
Onga. Lui m'avoir dit que lui pouvoir revenir que demain. Onga. Ce bard fait des allers-retours bien étranges. N'est-ce pas? Ouais, Onga. Lui, pas toujours être là. Lui, beaucoup dormir et pas beaucoup chanter. Onga. Lui, beaucoup chanter dans sommeil à lui. Onga. Onga. Ah, ça vous a pas plu, amiral, hein? Ah non, on kidnappe pas les femelles. Si on en kidnappe une, on l'attache à un arbre et on est tranquille. De toute façon, vous savez ce que disent les marins, les pirates. Les femmes sur un bateau, ça porte malheur. Onga. Je confirme. Oui, mais nous avons besoin de femelles. Onga. Sinon, on ne peut pas reproduire village. Onga. Ce matin, j'ai cherché une femelle au... Ah non. Pas de à l'île principale. Je me suis perdu. Porte malheur, c'est ça. Ah ouais. Après, c'est un coup à tomber sur le Kraken. Ouais. Onga, tu es Kraken. Onga. Onga, pas peur. Est-ce que tu as déjà vu un Kraken, Onga? Onga, avoir tué 20 Kraken en une fois, Onga. Onga, être très fort. Ça ressemble à quoi? Onga. Mais ça ressemble mais oui, à quoi? Onga. Oui, Onga. Onga, ça ressemble à quoi, un Kraken, alors, Onga? Onga, pas peur. Kraken, être gros monstre. Gros monstre. Ça a combien de ventouses, un Kraken? Oh, Onga. Onga, Kraken, avoir beaucoup de ventouses. Beaucoup. Et Onga avoir tué 10 Kraken. Ça a pas de tous un Kraken, c'est ça le problème. 10 Kraken en même temps, Onga. Imaginez combien de ventouses un Kraken. Combien de ventouses moi, Onga, avoir coupé. Onga, c'est vous. Onga avoir été. Sacré Onga. L'hyposucé. Onga, beaucoup, Onga. Mais Onga survivant. Onga tué tous les Kraken. Sacré Onga. Il t'est arrivé plein de choses, j'ai l'impression, dans ta vie, dis-moi. Ouais, Onga. Et moi avoir mangé tous les Kraken. Onga, pour gagner force des Kraken. Depuis, Onga, être le plus fort sur Terre. Onga! Onga! Onga, il sait toujours pas nager. Onga sait nager, Onga. Mais Onga pas vouloir laver corps. Onga! Parce que si Onga lavait son corps, Onga perdre ses copines, les mouches. Onga! Et pas perdre copines. Onga! Et d'ailleurs, Onga, tu serais sympa si tes mouches elles restaient dans ta maison plutôt que dans la mienne. Hein, parce que tous les matins je me retrouve avec une colonie de mouches dans la maison. Ouais, en plus déjà il y a une femelle chez moi maintenant alors. Hein. Onga, mouche être copine à moi, Onga. Ouais. De quoi vous parlez, capitaine? Amiral. Oh, de rien, vous verrez ça le jour venu. Au revoir. Ok. Onga, moi adresser mouche pour avoir message mieux que pigeon voyageur. Onga, bientôt mouche pourront faire voyage avec sur continent pour moi. Onga. Oh. Et à quoi elles vont te servir, Onga? Onga, pouvoir espionner tribus et demi, Onga, et me donner information, Onga. Ah, tu parles avec les mouches? Oui, Onga. Et elles répondent. Oh, ok, Onga. Oh, ok. Tu peux me faire un petit exemple de langage mouche? Onga. Onga, pas être inspiré là, Onga. Ok, Onga, ça marche. Onga racontait beaucoup de pipo, moi je dis. On va pouvoir te raconter encore autre chose, Onga. Moi te montrer Pipo avec. Non, Onga. Ah, ma Pipo. Onga. Onga, oh. T'as pas, c'est lui qui conduit le bateau. Onga, toi avoir la chance. Onga, jamais mentir. Onga, toujours dire vérité. Onga. Onga, avoir déjà escaladé beaucoup de montagnes. Onga. Onga, avoir escaladé 5 montagnes en même temps. Onga. Oh là là. Mais c'est lui un bandage de sa bouche parce que là. Je crois aussi. 5 en même temps, Onga. Oui, Onga. Il va être très fort. Dis donc. Onga va avoir mis nombreuses dunes à monter. Il s'est cassé 4 fois la jambe le même jour. Et Onga. C'est pour ça qu'on prend un homme gros-magnon, vous me le dites. Hein. Mais Onga s'être énervé sur montagne. Onga, parce que montagne est trop haute. Alors Onga a coupé montagne pour monter sur montagne. Onga. Onga très fort. Onga. Ah oui, d'accord. J'aurais aimé voir ça, Onga. Onga, très fort. Les violons. Onga. Les violons, ils commencent à quelle heure, Onga? Onga, toi, pas te moquer de Onga. Onga, dire toujours la vérité, Onga. Moi, je voudrais bien voir Onga tuer un Kraken, quand même. Ouais, Onga. Moi, j'aimerais bien voir Onga raconter une fois la vérité. Onga, moi, pouvoir te raconter une vérité, Onga. Onga, te montrer. Si Onga tapait toi avec ça, toi, t'endormir, Onga.
ça va être vérité. Onga. Non, non, ça ira. Onga, avoir déjà endormi beaucoup de gens avec Grotta Magique. Onga. Tenez, je sors le violon parce que là... C'est la chanson de Onga, le mythomane qui avait tué dix Kraken. À lui tout seul, Onga, le mytho des pirates. Il a coupé la montagne et s'est fait un slip avec Onga. Oh là là. Onga, quoi vouloir dire mytho, Onga? On va pas comprendre ce mot. Qui raconte des histoires, Onga. Ah, de belles histoires. Moi, raconter beaucoup d'histoires. Non, mais non, de belles histoires. Pendant le concert, vous allez raconter ça devant tout le monde. Hein. Onga, avoir beaucoup d'histoires à raconter sur concert, Onga. Ah là là, sacré Onga. On a 20 minutes de retard. Ça sera de m'étonner. Comment? On a 20 minutes de retard. J'ai reçu un pigeon voyageur qui disait qu'ils ont décalé un tout petit peu. Ok. Non, non, moi je ferai pas le bateau. Non, il est cassé, on coule. On rentre comme moi après. Eh, on cassez pas mon bateau là. Eh, Onga peut porter tout le monde, Onga. Onga a porté tout le monde. En nageant, et Onga marchait sur eau pour ramener tout le monde, Onga. Tu crois pas Jésus ou quoi ça. Ah oui. Pas problème, Onga. Jésus, Onga. Moi, avoir déjà séparé eau en deux, Onga. Onga de Nazareth. Pour que Onga pas aller dans eau, Onga avoir un grand bâton sacré pour séparer mer en deux, Onga. Ah, il est où ce bâton maintenant, Onga? Onga avoir planté bateau trop fort dans le cul de ennemi, Onga. Et pas pouvoir couper les bâtons, Onga. Ok. Mais Onga avoir trouvé solution pour pas vous oublier moi. Onga toujours parler et dire Onga. Comme ça, si Onga tombait dans l'eau, vous rendre compte que Onga pas là. C'est vrai, Onga. C'est bon, on peut y aller. Et voilà, Ah, Onga. Bravo, je crois que ça va rester. Comment ça va rester en fait. On a foutu de feu à la voile, Onga. Onga. Mais Onga pouvoir éteindre le feu de très loin avec souffle de Onga. Monte dessus. Va pisser dessus. Onga, arrête. Allez, mes amis. Méfions-nous quand même, on sait jamais. Ah, c'est la fille que vous avez laissé partir. Bête, bête, bête. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, on en a pas parlé de ça. Mon gars, ne la touchez pas. Vous la laissez tranquille. Hein. Hello. Onga. Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour les pirates. Bonjour. 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 Ah, qu'est-ce qu'il disait le verre Alan là du coup là? Bonsoir. Hein, qu'est-ce que tu voulais le maire là? Ça sent pas bon gars. C'est pas moi qui ai cassé sa boîte aux lettres mais on m'accuse. Il t'accuse d'avoir cassé sa boîte aux lettres? Bah oui, il y a un petit papier. Un petit papier, comment ça? Il a mal marqué mon nom, alors forcément, bah, c'est pas moi. Qui c'est? Le maire qui a mal marqué ton nom? Ah non, la personne qui a mis le petit mot pour m'accuser. Toi comprendre si c'est. Ah, c'est quelqu'un qui a mis un petit mot pour t'accuser d'avoir cassé la boîte à lettres, c'est ça? Ouais, il s'est trompé. Toi prendre-moi pour idiot, mon gars! Ils sont méchants, ils ont. Moi t'expliquer, moi pas être idiot, moi! Moi t'expliquer! C'est Captain McFly? Que nous discutions de discussion! À un moment donné, si ça ne vous dérange pas. Mademoiselle Swan, c'est ça? C'est cela. Oh oui, bien sûr. Tu vas pas prendre moi pour idiot, Onga. Avec plaisir. Bonjour, bonjour. Ah ben, il y a personne là. Comment ils vont bien? Ça va bien, Onga, bonjour. Onga. Bonsoir, monsieur le maire. Ah, bonsoir, bonsoir. Là, vous êtes venu avec toute la clique, là, dis donc. Non, c'est que la moitié, chef. Ah bon? Ah, monsieur Onga, toujours en forme, hein, toujours en forme. Il y a le tigre qui s'énerve là. Tu peux le tuer s'il faut. Hein. Oui, quand il ne dort pas, c'est sûr qu'il est en forme.
Onga a jamais dormi. Ouais. Onga, toujours réveillé. Onga. Tu es dedans? Oui, c'est Pépé, ouais, il est un peu narcoleptique, là, des fois, il... Ah, bah, attendez, on va pas le laisser dormir par terre, je vais le mettre dans un lit, quand même. On peut le violer, s'il faut. Il revient, vous inquiétez pas. Tchè-tchè. Ne pouvoir faire tchè-tchè, Onga. Mon copain, toi. Tchè-tchè. Je pensais pas que Onga était de ce bord-là, mais... Bah si, il aime tout, lui. Onga est de tous les bords. Voilà, femme, homme, arbre, bateau, c'est tout. Il revient tout de suite, monsieur le maire, vous inquiétez pas. Oui, les traditions de pirates et de tous les bords, de tous les bords. Captain m'avoir appris beaucoup aspects de relations humaines. Onga. Ah. Oui, tradition pirate. Oui, c'est ça. Oui, c'est oui, ça. Oui, les traditions pirates. Vous êtes un joli chatouille, monsieur Onga, dans le dos. Oui, Onga. Avoir si vous voulez, mademoiselle Sun, nous pouvons profiter de cette opportunité pour discuter. Oui, Onga. Mais je m'excuse en tout cas. Est-ce que tu veux apprendre la danse du feu? Le mal que ça aurait pu me faire. Déjà connaître. J'accepte vos excuses et j'ai réfléchi de mon côté. J'ai peut-être paniqué un petit peu trop. Regarde bien, je vais t'apprendre la mienne et tu m'apprendras la tienne. Tout ce qui s'était déjà passé, ça faisait beaucoup. T'es prêt? C'est normal. Oui, en gars. Qui n'aurait pas fait la même chose à votre place? Ok, bien. De toute façon, nous aurons l'occasion d'en reparler, comme je vous disais, lors du concert. Belle très danse, bien. Onga. Et votre bateau est sur la plage. Normalement, je ne pense pas qu'il ait été abîmé. Ça a une belle Écoutez, danse, vous pouvez le garder. Mais Onga, pour faire danse à lui, avoir oui, besoin de tam-tam. Onga. Pas de problème. Vous pouvez avoir tam-tam ici. Onga. Non, tam-tam. Je sais pas, faut demander au maire, mais à mon avis, non. Par contre, messieurs, c'est ici pour le petit événement auquel nous avons été conviés. Oui, pour être de maire, je crois. Et puis, je sais pas. Parfait, puisque... Nous étions déjà en retard, je ne voulais pas encore plus les faire patienter. Ah oui, tout à fait. Et vous savez si les barbares y viennent ou pas, non? Absolument, aucune idée. Je crois qu'ils sont partis visiter leur grande île. Onga, monsieur maire, Onga, moi pas avoir eu mes sous, Onga. Onga, maire, avoir sous pour moi. Onga, pas eu son argent. Oui, moi non plus, mais je pense qu'on devrait peut-être récupérer ça plus tard, Onga. Après, parce que vous risquez de perdre. Parce que ça peut être dangerous. Bon, d'accord. Bah, c'est possible. Monsieur, monsieur, si vous tapez Onga, Onga, vous après vous, pendant dans toute la ville, pendant des heures, et vous finir par devenir fou. Mais il est avec nous, lui, je me permets, je suis avec vous. Oui, mais quand même, je préfère vous prévenir. Onga, lui, avoir tellement pas tapé fort que Onga, même pas avoir ça. Ah, c'est vrai? Il est impressionnant. Parce que, dernière fois que j'ai fait ça, Onga m'a poursuivi pendant des heures et pour m'endormir, et vous savez ce qu'il fait quand il s'endort. Onga! Ah, c'est horrible. Onga! Captain avoir bien aimé, Onga! On veut pas ça. Ah, oui. Captain être de tous les bords, Onga, souviens-toi. Ouais, Onga! Tous les bords. Onga, Captain d'avoir beaucoup appris, beaucoup de choses. Il y a des histoires bizarres ici, je veux pas savoir. Non, rien du tout. Femelle pas être choquée, Onga! Nous devoir faire comme on peut parce que Femelle être partie village à nous. Onga! Ah bon? Vous leur faites toute peur, c'est normal. Onga! Elle jamais partir quand elle voit grand gourdin à moi. Onga! Onga! Finalement, c'est peut-être une bonne chose que vous soyez parti. C'est ce que je suis en train de me dire. On va se décaler. Bah oui, elle est plus rassurée avec nous. Je suis bien ici. Même avec c'est calme. Relativement calme. Oui. Onga, toujours être calme chez nous. Onga! 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 C'est Onga vouloir faire clair, boxe! Bah Onga! Qui venir affronter? Onga! Onga! Qui vouloir affronter? Onga! Onga! Onga, tu veux faire un petit combat? Ouais, Onga! Ok. Onga! Très bien, messieurs. Messieurs, battez-vous. Onga! Onga, tapez fort. Onga, toi, t'être bien battu. Onga! Onga! Le maire est là. Okay, on arrive. Bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation, bien entendu. Nous sommes réunis ici pour fêter mon retour. Parce que, comme certains d'entre vous ont sûrement dû le savoir, j'ai fait naufrage pendant un peu plus d'une dizaine de jours.
Vous avez disparu, donc j'espère que vous en étiez rendu compte. Je remercie d'ailleurs les hommes courageux qui sont venus me chercher, qui ont réussi à me sauver de justesse, mais qui m'ont sauvé. Alors messieurs, la première question, connaissez-vous le mont Toupiou? Vous connaissez ou pas? Négalé. Vous connaissez? Eh bien sachez que c'est là-bas que l'on va se rendre immédiatement et je voudrais des informations nécessaires par la suite. Alors je vous demande de sortir une arme parce que en chemin ça va être compliqué, hein. Et puis on va y aller tranquillement, hein. Vous restez à portée de voix parce que si on perd des gens, bah on perd des gens, hein. Voilà. Ok. D'accord. Allez, il se patille là. On vous suit, monsieur le maire. Allez, c'est parti. Qui m'aime me suivre. Vous fermez pas la mairie, monsieur le maire. Je t'aime pas, mais je te suis. Tous ici. Oui, c'est vrai. Qui s'est dit ça? Qu'est-ce qu'a dit qu'il m'aimait pas? Mais non, moi t'aime bien, monsieur le maire. Ah. Non, il va à pied. Non, les montures, on va les laisser. Ouais, mais c'est une femme, prends les montures, c'est bon. Par contre. On va marcher, je peux marcher, c'est juste pour savoir. C'est loin, monsieur le maire? Non, c'est pas très loin. On est à quelques kilomètres. Non, c'est pas par là, monsieur le maire, c'est à droite, c'est bas, monsieur le maire. Non. Ah oui. Aussi le petit, le maire il sait pas où il va. Je pense que je vais suivre monsieur Yogi, monsieur Yogi, vous êtes où? Non mais c'est les champignons ça, c'est les champignons. Non, je suis monsieur Yugi, même s'il m'a tapé sur la tête, mais je le suis. Mon gars, vous faites quoi là? Tiens, Pépé. Mon gars, avoir faim, mon gars, avoir chassé animal sur le chemin, mon gars. On le voit le Montopieu d'ici? Oui, bientôt. Là on le voit, Une fois qu'on aura passé le gros rocher, on va le voir, le Montopieu. Ouais. À votre gauche, bientôt, vous allez l'apercevoir. Ah oui, ok. Voilà, vous voyez le sommet. Oui. N'allez pas trop vite, Vous faites pas mal. Moi je le vois pas. Les bras devant. Poule. Il y en a qui vont finir à la flotte là. Ouais. Onga, nous pas aller dans haut, Onga. On va avoir besoin d'être... Grand sabre des rétines. On a pas mis des gens là. Eh, ils sont là. Ah oui, ils longeaient la rivière. Nous avons un homme à la mer. On a maison ici, on a. On a cette Tiens. Maison à qui? On a. Venez devant moi. Oula. Allez, attention. Venez vite devant moi. C'est bon, c'est pour toi. Venez devant moi, tout va bien se passer, on va être à l'abri. Venez ici, là où il y a la torche, là. Ici. Alors. Je vais vous demander de tous ranger vos petites armes, qu'on voit juste vos petites mains. On va rentrer, je vais vous expliquer comment ça va passer. Vous êtes bien d'accord? Oui, on gars. Je crois que... messieurs, dames. Je crois que nous avons perdu l'amiral Sticky. Non, je suis là, non, c'est bon. Oh, ok. Oh, vous êtes l'amiral, ok. T'as vu, on aurait pu venir en bateau ici, je le savais. Entrez. What? Fermez pas la porte, ça conseille. C'est pas très rassurant comme endroit. Est-ce que quelqu'un aurait une deuxième arbalète au cas où? Alors. Ok. De la tribu, est-ce que quelqu'un aurait une deuxième arbalète ou pas? Non. Mettez-vous face à moi, je vais vous expliquer les règles du jeu, messieurs. J'en ai pas dit, je le dis là. Tant pis. J'en ai juste une pour moi, ouais. Par contre, je crois que les parachutes c'est interdit, hein. Faudrait. Oui, mais c'est juste pour venir, vous inquiétez pas. Alors. Bah, monsieur le maire, il peut les récupérer et tout, et vous les rendre après, les parachutes. Ouvrez bien vos oreilles, j'ai pas trop répété. Tu passes ton arbalète. Et nous voulons que les oreilles, messieurs, attention, ok. C'est pas moi. Mon gars, on va pas mal. Mon gars, derrière porte ici, quoi, à voir haut derrière porte ici, mon gars.
Unga, venez voir, je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière les portes, monsieur Unga. Vous, okay, vous allez apprécier, je pense. Et c'est quoi le Montupiou, hein, vous voyez, c'est super beau. Oui, hein. Oui. Le Montupiou fait approximativement 253 mètres de haut, messieurs, dames. Approximativement. Alors, les règles du jeu. Il n'y a qu'une seule et unique règle. Tous les coups sont permis, sauf le parachute. Donc, quand je dis tous les coups sont permis, il n'y a pas de limite. Aucune limite. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Oui, tout le monde a bien compris que tous les coups sont bien permis. D'accord. Oui, on n'est pas obligé de participer alors. Ah non, 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 vous n'êtes pas obligé de participer, ah, hein, bien sûr. Il y aura des récompenses. Ouais, ben, gna. Là-bas, tout en haut, vous voyez, c'est l'objectif. Moi, je me bats. Il faut monter sur la. Sur la partie où il y a du vert là, de la partie lumineuse. Donc ça va être ardu, hein, ça va être ardu. C'est juste en dessous normalement, oui. Ouais, c'est juste en dessous, oui. Donc il faut escalader tout ça, tous les coups sont permis. Donc tout simplement, le départ sera donné par moi-même. Ça consistera à chacun se mettra derrière une petite porte. Et une fois que la porte, une fois que vous aurez réussi à ouvrir la porte, vous pourrez commencer à courir vers le mont, justement. Mais okay. Onga, est-ce avoir que ça va haut. Pour tout le monde? Non, ça, non, 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 avoir haut entre ici et montagne. Onga, Onga, pas aller d'en haut. Oui. Onga. Ah. Mmh. Mais quel est le but de tout ça? C'est dommage pour un pirate. Le but de tout ça, c'est quand même de devenir très célèbre, car très très rares sont les hommes et encore plus les femmes. Avoir réussi à survivre au Montupiou. Et puis il y a beaucoup d'argent, hein, monsieur le maire a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'argent à gagner. Oui. De l'argent. Bien sûr, il y a de l'argent en récompense. Le premier recevra une belle bourse. Le deuxième recevra une belle bourse aussi, un petit peu moins grosse que la première. Et puis le troisième, il aura aussi une petite bourse distribuée par ma part, bien sûr. Et Denis, il a un cadeau dans le coup. Et pareil, il y a une légende aussi qui dit qu'il y a un trésor aussi en haut du Montupiou qu'il faudra trouver. Hein, ouais. Onga. Et Onga espérait que bourse être plus arrivé, grosse que bourse de mer. Hein, ouais, parce que bourse de mer est petite bourse. Onga. Ça, c'est pas fou. Alors, quels sont les hommes ou les femmes qui veulent participer à cet événement, messieurs? On va participer. Bah, moi, non, parce qu'il faut nager, alors, non, tu vas pouvoir chanter chanson pour moi pour donner force à Onga et traverser haut. Onga! Vous pouvez donner votre accord à monsieur Watt, notre tribu. Mon quoi? Qu'il puisse participer. Onga! Ceux qui sont prêts, je vais vous mettre individuellement chacun derrière une porte. On ne triche pas si j'en vois un changer de porte. Comment, monsieur Onga? Tu vas pouvoir ouvrir porte pour moi et chercher de l'eau, Onga? Est-ce que vous avez... Oui, mais de toute façon, il y a de l'eau devant, donc vous allez pouvoir voir. Ah, sinon, j'ai vraiment trop peur de sortir, moi. Je vais pas pouvoir le faire. Je tremble. Mais vous avez pris des armes avec vous et tout, là? Il m'en faudrait une vingtaine, je pense, pour faire l'ascension, sinon je pourrais pas. T'as pas d'armes, toi? Mais je me tremble, là, je me sens pas bien, déjà. T'as pas de verre, vous êtes jeune ou pas? Non, j'ai pas d'armes, moi. J'ai à l'ancienne, moi, l'arc et l'anse, c'est bon. Ah, d'accord, t'as pas d'herbe. Ah, d'accord. D'herbe, il veut de l'herbe. Du truc, de la fumette. Mais j'ai rien si j'ai pris, pas de fumette, si j'ai pas d'herbe, je pourrais pas faire l'ascension. J'ai déjà trop peur. J'ai les genoux qui font claquer. Quelque chose de médicinal pour calmer. Nous ne fumons pas. Chose, j'ai ça. Un petit peu d'herbe. Pas ou... des pirates. Drogués. Rappelle mes petites flèches d'hier. What, des petits champignons. Tiens, prends les champignons. On a des petits champignons là. Ouais, par terre là. Avec ça, avant ça. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que les gens sont prêts devant une porte? Mademoiselle Poire. Tenez. Faut pas hésiter. Si vous voulez, je vous garde vos petites bestioles pendant que vous participez à ça.
Je vais la mettre au guide. Ouais, je vais essayer. Je sens que je vais être une cible. Juste une arbalète. Alors, je demande le silence, j'ai messieurs, sinon il si y en a qui ne vont pas comprendre le début. Ouais, mais j'ai pas de tête. Tout le monde est prêt? Est-ce qu'ils sont prêts? C'est une arbalète. Ah, ferme, allez. J'ai que des flèches en métal. Alors, tout le monde se met devant sa petite porte. Chacun devant une porte, les gars. Chacun devant une porte. Chacun devant une porte. Chacun devant une porte. Un seul parcours. Mais c'est ma porte. Excuse-moi, j'ai bu des champignons, je sais plus où je suis. Elle est verrouillée, quoi. Elle est verrouillée. Oui, elle est verrouillée, c'est normal, je vais vous donner un indice pour le code. Ils sont vraiment trop bons ces champignons, là, ça s'en va. Stop, il y a pas de champignons là. Il y a pas de la grande porte. C'est insupportable. Ouais, je reviens plus tard. J'ai un truc que. Alors, tout le monde est prêt? 3-2-1. Ok, merci. A tout à l'heure. Alors, je vous donne une première information. Ouvrez bien vos oreilles. Regardez-moi tous là. Venez, regardez-moi tous par ici. Comme ça, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de hein, quelqu'un qui commence avant les autres. C'est vos champignons. Il m'entend pas, lui. Arrêtez ah, avec voilà, les champignons, j'espère. Alors, un indice. Bah, j'ai pas le choix. Tout le monde m'entend, c'est bon? Oui, on oui, oui, oui. Ouais. Alors, le top départ est maintenant. Et l'indice pour le code, c'est les 4 chiffres sont identiques. Bonne chance, messieurs, dames. Oh mais il y en a qu'on a trouvé vite fait. Oui, oui, oui. Tous les cons sont partis. Il y en a 3 qui sont partis. 3 qui sont partis déjà là. 4 qui sont partis. 5. Il y en a 5 de partis. Ah, il y a des malades. Hop. Attendez, ça ne s'ouvre pas ma porte là. Pas de triche, hein. Allez, faut trouver le code secret. Allez, un autre indice. Il y en a 5 de partis. Les cibles, c'est 5. On va l'avoir tué. Tu vas voir quelqu'un, mon gars? Là-bas au-dessus, mon gars. Ah, coéquipier à l'improviste. On va pas voir, hein. On va voir personne. Il part ici, mais je sais pas où. On va voir personne, mon gars. Et on doit faire quoi? On doit redescendre?
Onga, oui, mais nous avoir pas nous être arrivés après parce que coffre déjà vide. Onga. Ouais. Mais moi avoir pris le totem. J'ai pris le totem moi. J'ai pris le rampe là. Ouais, mais ça va pas être ce qu'il faut. Onga. Ça doit être ce qu'il faut, non? Non, Onga. Onga, être dans le coffre. Mais plus rien dans le coffre. Onga. Piranha, on va pas survivre. Bathroom is she smoking up outside? Oh, 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 oh baby, baby, does